Eh bien, bonjour tout le monde de Cezasa, et nous avons aujourd'hui trouvé le gosse le plus célèbre de tout Pokémon, j'ai nommé Yaha. J'adore les shorts. Viens me battre. Il est là. Il est là. Il est beau. Il est jeune. Il porte des shorts. Il est cool. Et pourtant qu'il a une casquette. Oh yolo, il a une casquette à l'envers. Ah non, mais pas à l'envers, elle est... Bro, sérieux, t'as un abo? Bon, un abo, parce que ça fait, sinon ça fait nabo, ce que tu es, mais... Yes, un abo quand même, c'est chaud. Un abo? Il se bat avec des serpents, le gamin? Ouais, il se bat... Mais ouais, il se bat avec des serpents. Ce n'est pas une blague. Le mec, c'est les shorts. C'est la vie des shorts. Les shorts, voilà. Par contre, je risque de me faire défoncer. Bon. Choukapig, mange-toi. Sablette. On va lui mettre sur la tronche avec Sablette. Ouais, mais oh, t'as aussi Velcroze, hein, je te signale, à faire XP. Ouais, bah je le fais XP. Mais du coup, je le balance en premier. Bon, bah ton broche, vas-y. T'as, c'est vrai qu'il est violent avec son attaque morsure. Ouais, il fait mal, hein. C'est pour ça que je m'en méfie un peu, hein. Parce que... Wow. Critical hit sur Pikachu. Oh non. Ah mais oui, c'est vrai que tu joues en anglais en plus, toi. Ouais. Ratata, oh comme il va prendre cher. Le tombroche des familles. Il l'a senti. Il défonce lui sa gueule pour que sa mère le reconnaisse pas. Si elle le reconnaît, elle voudra plus de lui. C'était beau. Il a fait un coup critique, Vlad. Non, par contre, l'intimidation, là. Il spam l'intimidation, c'est ultra relou. Tiens. Ah ouais. Non, parce que abo, sérieux, c'est intimidant un abo. Tu te fous pas un peu de moi. Ben. Il est totalement pété. Il a des Pokémon, mais tellement pété ce mec. Tu sens ma voix posée? Tu entends ma voix posée là? On dirait que je suis sous coke tellement je suis posée. En méditation, tu es parti au Valhalla. Je suis au Valhalla. C'est totalement ça. Voilà. Je suis tellement calme et posée que c'est même pas sûr qu'on. Enfin, les gens vont penser que la vidéo a pas été tournée au même moment, tu ouais, vois. Voilà. Non, mais nous sommes une semaine plus tard. C'est totalement ça, c'est... D'ailleurs, on va faire tout un épisode. Putain, c'est la troisième fois qu'il m'intimide. C'est quoi ces conneries? Bah du coup, la voix posée est pas restée longtemps. Je fais ce que je... Elle est partie aussi, elle est arrivée. Coucou, elle s'est barrée. Au revoir. Du coup, je balance Velcroze, comme ça je rebalance mes mèches derrière, et je vais tuer son abo. Par contre, va falloir que je retourne au centre Pokémon, du coup. Et ça m'énerve. Morsure, mais t'es sérieux. Va, pas trop loin, ça va. Et bon, y a pas d'herbe à traverser. Un scoot. Flamèche. Tu as choisi la bonne voie. Hop, ouais. Au revoir. Et bah, du coup. C'est vrai qu'en fait, à part dresseur, tu vois pas trop de personnes exercer leur métier. Hein. À part les champions d'arène. Niveau 6. En fait. Ouais. Oh, tu sais comment il s'appelle le scoot? Nya, tu m'as taillé un short. Il s'appelle comment? Bah, va voir le scoot et puis tu verras. D'accord. C'est une honte, j'ai honte, mais. Il s'appelle Greg? C'est mon frère jumeau maléfique. Attends, moi je vais soigner mes petits Pokémon parce que Sablette il est mort. Dans les limbes de l'enfer. J'ai une personne de ma famille qui s'appelle Ben. Ah oui, ça c'est déjà. Bon, par contre, je vais éviter de me caler dans les personnes. Parce que c'est extrêmement chelou de cogner les personnes comme ça. Enfin, même si je suis quelqu'un qui met des coups de tête, mais. Un peu maléfique, qui possède des aspicotes là. Les aspicotes, c'est le diable. C'est une horreur. Ah, mais c'est vrai que je peux courir. C'est vrai que je peux courir, moi. Oui. Par contre, en vrai, ça change quasiment rien de courir en fait. Hein. Punaise, c'est abusé. Autant dans les jeux Pokémon, tu vois trop la différence. Tu te prends les murs quand tu cours. Limite. Mais là, c'est. Salut! Regarde, je suis en train d'affronter le gamin Greg. Je suis à 3 PV. T'es un dresseur à l'attaque. Allez. Hop là, le gamin. Par contre, mais ce skin. Mais mon dieu. Mais quelle horreur! Scoot Grégory, Chenipan, Velcroze! Ils ont changé dans la verge française, moi c'est juste Grey. Ouais. Allez, wouh! Tu ne mérites pas d'exister, il n'y en a qu'un! Genre t'as cru que ça allait marcher sur moi? Et moi je te fais une flamèche! Mais le mec, mais arrêtez de retirer vos Pokémon quand j'attaque! Ça empêche mon Velcroze d'XP! Ils retirent pas souvent les Pokémon, les dresseurs. C'est souvent dans ce jeu-là qu'ils retirent. Ils passent leur temps à retirer, ouais. Oui, ils ont vu... Ah, dans les jeux de base, oui, non, ils les retirent pas, hein. Non. Oh, Dracora. Ah oui, moi aussi. Ah, toi aussi, il est passé niveau 16. Et donc, du coup, évolution. Puissance 1, précision 100. Je vais remplacer Brouillard, du coup. Hein, voilà. Pareil. On va avoir le même truc. Je vais utiliser ma nouvelle attaque qui fait 40 de dégâts obligatoires. Grégory, envoie Chenipan.
J'avoue. Mais ouais, mais du coup c'est compliqué, du coup il faut que je renvoie Vel'Koz, du coup je vais me prendre une attaque, du coup il va falloir que je renvoie mes mèches, mais il faut que je fasse XP Vel'Koz, du coup j'ai pas trop de choix. Allez, fais XP Vel'Koz. Et du coup, même, va Ah. développer. Ok. Bah moi Oh, ok. il évoluera pas. Il faut que je trouve une Oh, pierre c'est la stase pierre stase. rapidement. Voilà, Je crois charge. que tu peux passer sur le bon coin aussi, d'ailleurs. Flamèche. Au revoir, petit chenipan. Je ne t'ai jamais aimé. Alors, ah, c'est bon, j'en ai une à. Alors, Everstone, ça s'appelle. Ah mais tu vas vraiment la chercher sur le bon coin et tout? Non mais c'est bon, je vais m'embêter à cliquer à chaque fois, c'est bon, t'inquiète. Oui, mais Je alors. déconne, je déconne. Oui, Bon. mais. Alors le Vel'Koz, il y retourne, comme ça il va gratter de l'XP. Il y Parce en a que... une à 2000 euros, une. Ah non, non, Everstone n'en a pas une à 2000 euros. Alors du coup, vas-y, spam ton Ça aurait coûté attaque. cher. 18 000 euros. Pas forcément, hein, c'est des pierres, on déconne pas avec les pierres. Oui, puis bon, c'est la première moitié du jeu, quoi. Faire pas évoluer son Pokémon. Utilise armure. Vas-y, spam l'armure. De toute façon, ça te protégera pas de ma flamèche. C'est moi qui t'en Tu sais logis. pourquoi est-ce qu'on va aussi vite en courant? Non? Parce qu'on a notre Pokémon derrière nous. Si on l'avait pas, on courrait plus vite. Mais non. Moi des fois je cours plus vite et Pikachu il a du mal à me suivre. Ah ouais? C'est à cause de C'est... toi, Chocapic, c'est que je peux pas Tu courir, ne c'est que seras rien. tu pourrais te mettre sur mon épaule, espèce d'idiot, comme dans l'animé. Ce serait Hein? tellement badass. Ça aurait quelque chose? Mais bon, il est trop gros là. C'est genre, toi t'as le Pikachu sur l'épaule, moi j'ai le Vel'Koz sur la tête, tu vois. Oui, mais ça c'est dans la première miniature du Ouais, jeu. j'ai vu dans la miniature, d'ailleurs j'étais contente parce que c'est totalement ça. Je suis Ouais, mais. typiquement le genre de personne qui a un Pokémon sur la tête comme ça, tu vois. Ça C'est ça. dépend du Pokémon. Parce que bon, faut pas déconner, le Milobélus, je vais pas le mettre sur ma tête, hein. Non, 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 non. Sinon j'ai plus de Même tête. sur le dos, ça risque d'être lourd. Voilà, après tu n'as plus de tête. Ah, j'ai un Wailord! Tu vis... Attends quoi? Oui. C'est genre, oh, le Wailord, oh, il n'y a plus personne en dessous. Juste de la bouillie, de la D'ailleurs, confiture. ça a causé un problème dans Pokémon Soleil et Lune. Quand t'as un Wailord, c'est normalement t'as un dresseur derrière maintenant. Et le Wailord est beaucoup, beaucoup trop petit par rapport au dresseur. Non, 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 évolue pas, évolue pas. Oui. Voilà, c'est bon. J'ai annulé l'évolution. T'es encore en train de combattre le scout. Ah non, t'es en train de... Non, 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 Oui. je suis en train de combattre une fillette. Oui, la fille qui est en face. Ouais, j'avais pas fait Et gaffe. d'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette version, et qui connaissent, parce que qui s'y connaissent un petit peu en Pokémon, vous devez savoir que cette fillette nous dit un truc, et elle nous dit, dans les premières versions, elle dit, ce serait bien si un Pokémon, s'il existait un Pokémon rose avec un motif de fleurs. 4 générations plus tard, qui c'est qui arrive? Mouna! Pokémon avec un parterre de fleurs et beaucoup de théories dessus. Ah mon Dieu, tout est lié. Ouais, c'est ça, mais Ouais. beaucoup de théories dessus. Et donc, si vous connaissez la théorie, voilà. Bah c'est bien, D'ailleurs, tu moi, dis j'aime des beaucoup théories. cette théorie. Moi, j'aime beaucoup cette théorie, d'ailleurs. Enfin, c'est même pas une théorie, j'aime beaucoup cette petite anecdote sympathique. Monte au niveau 8. Ok, Vel'Koz, il XP tranquillement, mais il XP quand même. Vel'Koz, retourne-y, tu es niveau 8, tu auras bientôt le niveau détruit. Punaise, vivement le multi-XP quand même, ça facilitera Voilà. vachement la vie, hein. Moi, le multi-XP, maintenant, j'utilise plus parce que je trouve ça. Après, les jeux sont trop faciles, je trouve. Au début, avant, c'était que pour un seul Pokémon, donc ça allait. Ah Mais maintenant. oui, pour Y et pour Soleil Lune, Ouais, oui, voilà, c'est abusé. t'arrives à la ligue avec niveau soit 90, 71, je Bah sais oui, parce plus. que ça multiplie, enfin ça divise pas l'XP, ça le multiplie. Enfin, ça le Ouais. donne pour chaque Pokémon, mais en supplémentaire au lieu de le diviser. Et en plus, c'est tous les Pokémon, donc. Ouais, mais c'est cheaté maintenant. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça, ça allait bien avant. Mais bon, voilà, maintenant je le mets plus. Le résultat, je me faisais défoncer dans Soleil Lune. Mais en tout cas, voilà, moi il y a de la difficulté. Voilà. Bon bah, il Ah, m'en mais faut des nouveaux. Ok. quand tu le mets. Quand tu le mets plus, quand tu le mets pas, par contre, c'est dur, hein. Ouf. C'est difficile de battre les Pokémon dominants Ce là, par regard que exemple. tu m'as lancé, c'est plutôt intriguant. Ok. C'est la reine de la rue. Tu m'as lancé un regard. D'accord. Comment tu m'as vu d'aussi loin? Je suis caché. Je vois à travers les Un choses. Nidoran? T'es sérieuse, meuf? T'envoies un Nidoran comme ça sans pression? Moi, je pense que je vais en attraper un de Nidoran. J'aime beaucoup ce Pokémon. Oh, double pied. Ouh, je vais pas aimer. Ah oui. Non, j'ai utilisé griffe, c'était pas ce que je voulais faire. Bon, ça Vas-y, marche aussi. passe. Oh, Oh c'est pas non, je possible. suis empoisonné. Oh, Là, je sais qu'il y a des rondoudous dans les hautes herbes. je veux. La fille, je J'avoue. veux. Ouais. Je veux un rondoudou. Après, je suis. J'ai un problème avec les Pokémon mignons, mais ça dépend lesquels. Tu sais qu'il est pas type fée dans cette génération. Bah oui, je sais. Quand même. Un minimum. Hein? Non, mais je te dis ça comme ça. Non, mais je sais, t'inquiète pas. Hein. Alors, du coup. Par contre, du coup, mes mèches, il va. Non! Mais ouais! Mais ça c'est beau. Ça, c'était beau.
Quoi? Mémèche n'était pas mort, il s'est fait tuer à cause du poisson. Magnifique, c'est tellement ridicule. Mais tu es horrible. De quoi je suis horrible? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles enfin, Mémèche crève. Va en foutre. Il est mort, va en foutre. Vive attaque, vas-y, spam tes vive attaque, je t'en prie. Moi je vais spammer ton broche. Mais du coup, maintenant que j'ai un Reptincelle et toi un Salamèche, les combats vont être beaucoup plus drôles. La fille, c'est ça, fous-toi de moi. Ah, j'ai hâte qu'il passe en Dracaufeu quand même. Je croyais que tu voulais pas Dracaufeu. Non, non, toi! Moi? Mais Ouais. si je me fais battre par un Salamèche, c'est quand même dur. Très dur. Voilà. Et hop, j'ai battu le. Non! T'es sérieux, N'empêche, gros? Capi va m'être super utile alors que toi tu vas Punaise! galérer à la deuxième arène. C'est normalement ça va être ton Velcro qui va devoir t'aider. Hein. Ouais. Roi charge du coup. Vive attaque, vas-y, fais-toi plaisir. Il va falloir que j'aille re-soigner mes Pokémon, oui, c'est plus qu'urgent. J'ai plus que Velcose qui est en état de combattre. Il a Parce perdu toute sa que vie, wesh. la prochaine fois, ça va être Ondine et les types O, ça va être violent. Ouais, en effet. T'as Bye. intérêt à attraper Un un Pokémon de type type O là. plante, ouais. Ouais, mais à part Paras, ici, t'en auras pas. Hein. Alors, rugissement, je remplace. Ouais. Comme ça, je commence à avoir mon Pokémon de véritable type vol. Et ça, c'est cool. Y a pas un Nidoran ici? Mais s'il y a des Nidorans, je vais chercher. Je suis sûr Alors, qu'il y a des du coup, je Nidorans. vais courir. Allez, viens. Viens, Outhout. On va soigner tout le monde. On va Ah, soigner toute l'équipe. c'est vrai que j'avais oublié que j'avais un Pokédex. Hein. Punaise, Ça, j'en sais presque mais rien. le Ludicolo, quand même. Ce Pokémon. Le Ludicolo, c'est. Il est magique, ce Il est Pokémon. sur la route 3, le Nidoran. Donc, du coup, la route 3, c'est là où je suis. Donc, normalement, Nidoran, je devrais pouvoir en trouver un. Allez, go! Ouais, attends, je vais me racheter des Pokéballs par contre. À la recherche du Nidoran perdu. Non, il n'y a que des pièces avec des Dracaufeu et des Ferrothorn. Oh, attends, ça c'est beau, on peut courir à l'intérieur des bâtiments. Oh, ça Oh, c'est mon beau. Dieu! Ça c'est beau par Oh! contre. Oh! Oh, ça change tout. Oh, ça change tout. Ça change tout. C'est Oh, bon, mais on va oui. acheter ce jeu. Ah, mais oui. Un rondoudou! Non, pas les rondoudous! Pas ce cauchemar qui recommence! Bah, les rondoudous pour la reine d'Ondine, à ce moment-là, ça pourrait quand même me servir vu que c'est un type Ouais. normal. Ouais, mais c'était horrible. Je vais te raconter un truc. Oh, Avec Shadow. oh, wow, wow. Attends, pardon, désolé. C'est juste que le jeu a. Tu sais, Avec il. Shadow. Oui, vas-y. Ouais. Alors, avec Shadow, du coup, on était sur la map Pixelmon Johto. Donc, tu sais, Pixelmon, c'est Minecraft Pokémon. Oui, je sais, Donc, t'inquiète, je connais. on était sur la map Johto et on arrive, je sais pas si tu connais la région de Johto avec Armgold Silver, tout ça. Et on arrive à la troisième arène, l'arène de Blanche. Alors, pour Mec, ceux qui. tu sais ce que je viens de croiser comme gosse? Hé, t'as pas de short, tu crains! Ouais. C'est pas le même, c'est ça le pire, il m'envoie un Piafabec, s'il te Ah plaît. non, mais putain. Ils sont partout. Enfin bref. Donc on était dans la troisième arène qui est la pire, vraiment la pire. Tout le monde sait de quoi je parle. Là, si vous avez joué à Pokémon et que vous avez affronté les crémeux de Blanche, vous savez de quoi je parle. Donc bref, il est horrible. Mais on arrive dans l'arène et déjà l'arène, il n'y a que des rondoudous. Donc on se dit, mais il y a un bug, normalement il n'y a pas autant de rondoudous. Les rondoudous, comme le mode était bugué, le mode Pixelmon, ils étaient level 33, 30, trucs comme ça, on était level 25, 20 même pas. Ouais, il m'a mis cher. Carrément, on se fait mais violer par les rondoudous. Et c'était comme c'était en anglais que ça s'appelait l'arène, enfin que ça s'appelait des Jigglypuff. À chaque fois qu'on entend nos Jigglypuff, on repense à l'arène Jigglypuff, c'est horrible. Ah, En mon plus, ça Dieu. buguait. Et le mode, à chaque fois quand t'étais bloqué en combat, ton combat continuait, mais toi tu pouvais plus faire d'action, tu étais obligé de crasher Minecraft et de recommencer le jeu. Horrible. Ouah, le Du coup, j'en ai Piafabec, croisé. il m'a mis cher! Oh, comme il m'a mis Quoi? cher! Il m'a tué mon Salamèche déjà! Bah bravo. Ah, bah c'est pété furie, hein! Allez! Eh mais, ils sont extrêmement rares les Nidorans ou pas là? Parce que j'en croise aucun. Bah, je sais pas. Attends, moi je vais. Tu sais quoi? Si j'attrape un Nidoran, je te le donne! Mais ça m'étonnerait quand même que Merci. je l'attrape. Parce que moi, de toute façon, j'utiliserai sans doute pas. Ouais, il me faudrait un type plante ou un type normal. Pour le type Ouais, mais à part normal. Paras. Mais Paras, c'est qui déjà? Je vois plus qui c'est Paras. C'est mieux qu'une voix plus. Tu ne saches plus qui c'est. C'est mieux. De toute façon, on verra Là, bien. on perd quand même beaucoup de temps à rien faire, je trouve. Bah, c'est surtout que moi je fais des allers-retours entre le centre Pokémon et tout, hein, mais. Tu feras des ellipses, hein. Tu feras des ellipses, tu resteras pas ça pendant 2 heures. Ouais, j'essaierai de faire un zapping. J'essaierai. Ouais. Le Il faut du j'essaierai, il veut tout farmage. dire. Du Ouais, farmage, c'est t'es plus drôle. sérieux, mec. Du farmage. Si, moi j'ai inventé un nouveau mot et si, ça marche. Oh, t'es là! Coucou! Je suis là.
Je cherche des Nidorans. Et c'est en train de se défier et tout là. Ouch, moi je vois Et un non. rododo. Alors de toute Que des façon. férocinges, rien du tout. Des férocinges. Oh, rondoudou! La meuf, trop de bol! Je veux un Ouais. rondoudou! Oh, un rondoudou! Alors, Vel'Koz, du coup, il commence à être plus haut level qu'eux. Et ça, c'est cool. Oh, mais je peux hypnotiser en plus! Vel'Koz, il est level combien? Il est niveau 9. Et j'ai Ah, hypnose! cool. Ah, Il évolue au level 15 ou au level 20? de toute façon, voilà, là, c'est pété. Je vais pouvoir le capturer sans pression. Par contre, il faut peut-être que je baisse encore un peu le volume parce que je vais me faire défoncer. Hypnotiser un rondoudou, c'est drôle. Oui, c'est Un assez dorkin, ironique. C'est assez sarcastique, ouais. Alors, si tu Oh, me dis que pourquoi Rondoudou, il vous s'en faites ça? rend. Si tu me dis que Rondoudou, il arrive à se barrer de la Pokéball, je rigole. Ok, c'est bon. Et hop, Rondoudou est attrapé. Les données de Rondoudou sont ajoutées au Pokédex. Ouais, Parfait. mais je pleure là, j'ai aucun Nidoran, le Pokédex se fout de ma gueule, hein. Alors, J'ai trop hâte, résumé. je sors. Alors, entrée, un surnom pour Rondoudou. Je vais l'appeler Lullaby. Boule de merde. Non, je l'ai appelé Lullaby. Voilà. Oui, c'est un mauvais jeu de mots, oui. Je sais. Oui. Le mec, oui, je confirme, c'est de la merde. Oh, Oui. Quoi? Quoi? Pourquoi? Tu l'as dit tout à l'heure. Je te jure. Je te. Emmenez-moi avec les pacachous. Ah oui, non, c'est ça, c'est ma vengeance, quoi. Oh, je te le donne. Je le capture, je te le donne. Ok. Par contre, il sera endormi, hein, je te le dis. Pas grave. Tu lui donneras un joli surnom? Je te laisse choisir le surnom. Bah non, tu me diras le surnom, comme ça tu l'auras. Alors, un joli Puissance, mais surnom. cela échoue. Comme ça, à chaque fois que j'utiliserai, à chaque fois qu'il sera mort, je pourrai t'insulter. Mais Non, pourquoi fais j'arrive. comme tu veux. Mais place ton hypnose, c'est quand même pas difficile. Et Place du ton coup, comme ça, tu hypnose. l'as dans le Pokédex aussi, ouais, c'est ton Place hypnose. ton. Mais. C'est pas possible. Trois fois de suite que je fais hypnose, trois fois de suite que ça rate. Et c'est un nid en femelle ou mâle? Mal, pourquoi? Ah bon? Je pensais qu'il n'y avait que des femelles ici. Oh non, c'est bien un mâle que j'ai chopé. Enfin, que je vais essayer de D'accord. choper. Mais D'accord, cela échoue. d'accord. Par contre, les Pokémon, ils sont quand même vachement simples à choper par rapport. On est au début après, mais quand même. Ouais, mais ils ont rajouté des dresseurs et ils sont plus coriaces, les dresseurs, dans cette Oh, bah oui, version. ça c'est clair, vu comment ils nous mettent cher. Et c'est dans la boîte. Super. Bah du coup, je te laisse lui donner un surnom et on se l'échange. Enfin, on se l'échange. Tu me le donnes, c'est bien d'ailleurs, on n'a pas besoin d'échanger vraiment de Pokémon, on peut me les Alors, donner. résumé, du coup, tu veux que je l'appelle comment?